les folles années 20. La naissance du jazz, le mouvement dada, le charleston, le surréalisme, les cheveux courts, les jupes aux genoux. Paris est le cœur de tout ce bouillonnement. Et en ces années-là, le cœur de Paris, c'était Montparnasse. Montparnasse, lieu d'intersection de tant de destinées brillantes ou tragiques, glorieuses ou atroces. Et parmi les jeunes hommes venus là pour assister ou participer à la naissance d'un monde nouveau, le beau, le fantasque, le séduisant Modigliani allait connaître un destin fulgurant. Que pour moi maintenant, tout est possible. Je pourrais peindre l'univers entier. Mais si je voulais peindre l'univers entier, c'est un portrait d'elle que je ferais. Dis, Modi, t'as pas un peu de whisky pour une pauvre orpheline? Avec ça, on pourra manger. Non. À la Seine. Je vais les jeter à la Seine. À la Seine. À la Seine. Qu'elle me croit riche, elle, au moins. La Seine. Si je te rends malheureuse, je ne le ferai pas exprès. Il faut que tu me croies. Ici, on a tout essayé de vous lever. Vous en êtes même pas aperçu. Pourtant, ça vous aurait rien coûté. Vous plaisez aux femmes. Vous ne me giflez pas? Encore. Quand tu m'as regardé, j'ai senti que je commençais à vivre. Moi, je t'aimais déjà depuis longtemps. Je t'avais vu avant. Bien avant. Tu es vraiment sûr de toi? Oui. Dites donc, vous croyez causer au percepteur, vous? Ça fera 150 francs, ou alors une trempe. Je préfère de beaucoup vous donner la trempe. Une trempe à moi? Oui. Une trempe? Oui. À moi? À vous. Vous faites erreur sur la personne. Que non? Eh bien, vous, alors, vous faites plaisir, hein? Vous êtes un homme, hein? Ma vie fout le camp. Vous me quittez, Jeanne. Il faut m'oublier. Sauve-toi avant la fin. Je veux pas être un salaud. C'est M. Fitz qui vont m'enfiancer. Il ne te casse pas la tête, il ne parle pas français. Ah, le vieux sport! Comment vas-tu, Béatrice? Très bien. J'écris un roman. Je vous ai tous mis dedans. Vous m'en avez assez fait voir, vous savez. J'ai vu ton exposition. Ça m'a beaucoup plu. Mais quelle histoire, dis donc. Tout ça à cause de mon nu. Un nu charmant. Je voulais juste m'en montrer à mon fiancé. À ce moment-là, il ne savait pas encore comment j'étais faite, n'est-ce pas, Harry? Yes, darling, but I want to introduce you to Mr. and Mrs. Modigliani. Hey, monsieur... Enchanté, enchanté, enchanté. And now, Walter, would you kindly get ready to leave this hotel? Yes, darling, but would you mind calling the waiter? Well, all right. Je casse les verres, les paye, mon ami. Vous en avez au moins pour 100 francs. Je vous salue bien. A-t-il fait un bon voyage? Excellent. Est-il heureux? Très heureux. Mmh.
provincial. Ça se voit? Non, pas trop, mais... Mais autant vous prévenir tout de suite, je suis un peu... pas. Mais vous m'aimerez, Ernestine. J'en doute. T'as pas la gueule de Paul, toi. On est cousins, pas frères jumeaux. Vous savez chacun la gueule de votre emploi. C'est-à-dire? Hein? Bah, vous connaissez Paul, vous connaissez aussi. Ben, maintenant, vous allez vivre dans un drôle de monde, vous verrez. Vivre comment? Je tracerai la route. Bah, on battu, toi. Excuse-moi, je vais travailler. Oh, non, mais regardez-le. Franchement, t'exagères, écoute. Est-ce que je ne suis pas l'image vivante de l'inanité du travail? Hein? Allez, mon petit père, repose-toi, va. Non, non, tu comprends, je n'ai pas tes facilités de travail. Je suis de l'espèce laborieuse. Oh, le travail! Le travail! Le travail! Qui est-ce? Qui, Florence? Mais c'est Florence. J'aime pas le nom, mais la fille a quelque chose. Je vous aime, Florence. Vous m'aimez? Florence, celui qui te sauvera de Charles, c'est Paul. Vous êtes des salauds. Fous le camp parce que tu me rends malade. Je suis pas Paul, moi, il faut que je bosse. J'ai pas de temps à perdre dans vos beuveries. Et puis j'ai promis à ma mère d'être reçue. Si je rate, oui, ça a l'air idiot, mais si je rate, ça sera terrible pour elle. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on aime sa mère. Vous ne pensez qu'à coucher. Salut la compagnie! Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais avoir l'honneur de vous présenter le baron Champès de Castagnac, l'homme qui fut le plus riche du monde. Ah, Jean-François, écoute-moi bien. Tu m'écoutes? Ma tante est morte, j'hérite. C'est vrai vraiment? Je suis milliardaire, milliardaire!
Vous viendrez passer vos vacances dans mon beau château. Vous vous débattrez sur mes pelouses. Vous viderez ma cave. Vous êtes né sous le signe du lion? Hein? Moi aussi. Ah, c'est merveilleux. C'est le signe le plus noble. Oh non, chérie. Ah non, tout de même. Pierre n'aurait pas inventé une histoire pareille. Primo, il n'habite plus qu'à les Grands Augustins. Il paraît même que ça a bardé, il y a eu expulsion par huissier. Vous ne connaissez pas sa nouvelle adresse? Non, monsieur. Moi aussi, je le cherche. Alors, impossible d'avoir son adresse. Mais vous pensez comme il l'a laissé. Mais j'y pense, vous avez son adresse, non? Oui, hôtel de Seine. 775 francs, tout compris. Oui, oui. Vous n'avez pas de bagages. Défense de sortir avec les bagages. Non, ce ne sont pas mes bagages, c'est ma serviette. Ce sont vos bagages. Il faut absolument que tu me dégotes une piole pour vos pieds ce soir. Monsieur Radesco! Il n'est pas là! Et où est-il? Il n'est pas là! Oh le salaud! Mais qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez au sein! Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites? Hein? Moi, je suis musicien. Ah oui, on la connaît, votre musique. Elle avait un jupon plein de trous. Elle fréquentait un tas de voyous. Mais quand elle passait auprès de vous avec ses grands yeux noirs si doux... J'en ai jamais tiré un sou de ma musique et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. On ne peut pas être sans ces gens. Ah, pour moi, vous pouvez y aller, hein, tant que vous voulez. Surtout mon profil gauche, c'est le meilleur. Et puis, pas perdu pour tout le monde. Ah, vous, mais vous ne saviez pas? Oh, mais ça allait très très mal. À la rue, le pauvre Pierre. Ces hommes, ces femmes, cet enfant vont mourir. Ils ont tenté de franchir la ligne de démarcation.
Mais d'autres prendront leur place car le combat continuera. La route est longue pour Gibraltar. La route est longue pour Gibraltar. Oui, la route est longue pour Gibraltar. Longue et périlleuse. Pour la comtesse de Danville. La guerre n'est pas finie. Pour son mari. Et pour tant d'autres. Elle passe par ce village de France situé sur la ligne de démarcation. Il sera le théâtre d'événements. Alors, ce blessé de Dol, il est chez moi. Bande de camp. Vas-y ! Qui ont marqué la lutte impitoyable livrée à l'occupant par les combattants de la nuit. C'est de l'assassinat. Salaud. Qui a dit ces salauds ? C'est moi. Votre nom ? Ménétru, Eugène, classe 13. Il brave l'ennemi et les traîtres à ses ordres. Eh bien, monsieur l'oiseau. Il leur faut être implacable. Mais t'as pas compris pourquoi je t'ai laissé creuser ton trou ? Non ! Au secours ! Car l'adversaire... Bonsoir, madame. Police allemande. ...est implacable. Eh ben, pleure pas, Geneviève, quoi. Ces messieurs ne sont pas méchants. Oui, ça dépend, monsieur. Claude Chabrol a réalisé la ligne de démarcation sur le scénario de l'un des plus grands héros de la lutte clandestine, le colonel Rémy. Oui, et si j'arrêtais des otages? Je fais comme tout le monde, c'est tout. Que vous ayez ou non vécu ces événements, vous devez voir... Bright lights of Paris, city of a thousand pleasures. The neon glare of Hamburg. The hot spots, the low bars. Nights and days to remember. Christopher! Jacqueline! If you live that long. Jacqueline! Christopher! Kill him! Kill him! Kill him! Who mix their drinks and their women. And wherever they go, whoever they go with, murder surely follows. In the green and gold chateau country of France, in the plush places of pleasure, someone is fermenting a new chilling brand of murders. The Champagne Murders. Directed by Claude Chabrol, one of France's most distinguished and exciting directors. Follow these two closely. We've got to stick together, that's the important thing. Each has something to hide. Each has something to gain. What the hell are you doing here? The husband, Anthony Perkins. Man of the world, married to an heiress. Darling, I think I've pulled it off. Paul, portrayed by Maurice Ronné. Loves often, cracks easily. The heiress, Yvonne Furneaux. She inherited millions of reasons why she should stay alive. And as many reasons
why she should stay quiet. You're hurting me. The Champagne Murders, they lead you to strange places, to meet the way out people. Come with me, Peppino, come with me. You monster. Get away, all of you! Qu'est-ce que ça raconte? Hmm? Qu'est-ce que ça raconte? Ah ben c'est une histoire de mœurs. Ah. Oui. Mais en fait, c'est sur la naissance de la folie. Ma petite Wai, ça t'embêterait beaucoup d'aller me prendre un verre d'eau. Tu es très belle, ma chérie, en ce moment. C'est merveilleux les affaires des autres. On a l'impression de changer de peau. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête des filles. Est-ce que vous l'aimez, cette petite? Quelle petite? Ne faites pas l'hypocrite. La fille qui habite chez moi. Embrassez-moi. Vous ne l'aimez pas? Ma foi, je ne sais pas. Pourquoi voulez-vous que je l'aime? Parce que tu es un homme. Mais non. Vous allez quand même pas me jeter dans ses bras. Tu es heureuse avec nous. Vous allez vivre ensemble? Oui. Tu l'aimes? J'en suis complètement folle. Et lui? Lui aussi. Enfin, c'est ce qu'il dit. Pourquoi tu me demandes ça? Je vous aime tant tous les deux. T'as pas encore compris que t'étais de trop. Allez. Salut ma vieille. Pourquoi es-tu fâchée, Frédéric? Parce que je vous aime, parce que je t'aime ou parce que j'aime Paul? Comment peux-tu m'en vouloir pour mon premier bonheur? Vous savez ce que je préfère chez Hélène? C'est sa douceur. Elle n'aurait pas l'air comme ça, mais elle est extrêmement douce. Et tendre. Tu m'aimes? Pourquoi tu me demandes ça? Tu m'aimes?
Tu t'en vas? Oui. Je te revois quand? Janvier après-demain. Pourquoi pas demain? Parce que demain, je peux pas. Tu passes me prendre au bureau ce soir? Bien sûr. Pourrais-je parler à Madame Desvallées, s'il vous plaît? C'est de la part de son mari. Je t'ai téléphoné, chez le coiffeur. Ah bon? On m'a rien dit? Non, tu étais déjà parti. Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. Enfin, vous comprenez? Il faudra me dire la vérité. Elle me trompe, je veux connaître le nom de son amant. Qui? Tu connais pas Victor Pegala? Je connais pas. Voulez-vous voir son visage? Oui, si vous voulez. J'ai sur moi une photographie. Monsieur Victor Pegala? C'est à quel sujet? Je suis le mari d'Hélène. Oh là là! Est-ce que vous croyez qu'il est arrivé quelque chose de grave à Monsieur Pegala? Oh, cette enquête est systématique. Vous comprenez, madame, mais il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un meurtre. Merci. Merci. Pourquoi ?